Voici comment réaliser un enregistrement avec deux micros. Nous allons commencer avec la grosse caisse, en utilisant un micro Shure Beta 52A, très simple à installer, ici, près de la grosse caisse. Le fait est que, quand vous avez une peau comme celle-ci, avec un petit trou au milieu, vous avez beaucoup d'air qui se concentre et qui sort à cet endroit, ce qui génère du bas, qui n'est pas du vrai bas, mais juste de l'air qui pousse la membrane du micro. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est de rentrer le micro à l'intérieur pour capter le vrai son, et pas l'air pulsé que j'aurai en plus à filtrer plus tard. Nous avons placé une couverture à l'intérieur de cette grosse caisse, ce qui ajoute un peu de poids, et comme elle touche à la peau de frappe, le son à l'intérieur n'est pas trop résonnant. Pour l'overhead, j'ai choisi un M49, un micro à condensateur large diaphragme, mais on peut utiliser n'importe quel micro à condensateur pour cet usage en overhead. Donc ici, nous n'avons que deux micros, un pour la grosse caisse et l'autre pour l'overhead. On va donc le placer ici, centré à peu près au-dessus des toms et de la caisse claire. Ce micro est cardioïde, ce qui veut dire que le son provenant de l'arrière est éliminé et que la captation est bien ciblée sur la batterie elle-même. Il doit être placé bien à plat et nous allons voir comment ça sonne. Le réglage du gain est simple, surtout si vous travaillez en numérique. Il faut demander au batteur de jouer aussi fort qu'il en a l'habitude. Les vue-mètres ne doivent pas atteindre le rouge et vous devez avoir entre 2 et 4 dB de marge avant le niveau maximum. Comme ça, vous évitez toute saturation durant l'enregistrement. Si vous laissez des pics de niveau, comme on voit faire de temps en temps, vous n'entendrez rien de bon. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de jouer très fort de la batterie pour obtenir un gros son énergique. C'est quelque chose qu'il faut gérer. Plus tu joues fort, plus tu auras un équilibre naturel du kit de batterie et tu solliciteras les compresseurs qui se déclencheront. Tu peux aussi vouloir jouer les cymbales moins fort et jouer les fûts plus fort. Je joue de la grosse caisse et de la caisse claire plus fort pour qu'ils ressortent du mix. Une autre chose importante est que quand tu enregistres, il faut avoir le retour de ce que tu joues, entendre le son qui est capté par les micros, c'est très important. Dans un kit de batterie, il ne faut pas de peau abîmée, car cela n'aide pas à la prise de son. Il faut mettre des peaux neuves. Dans certains cas, vous aurez même à mettre du gaffeur à certains endroits pour obtenir un son particulier. En termes d'accordage, les peaux du dessus et du dessous sont généralement réglées autour de la même tonalité. C'est ce que je recherche. Je passe beaucoup de temps après les sessions d'enregistrement, même la nuit quand il n'y a plus personne dans le studio, à régler et accorder la batterie pendant des heures pour essayer toutes sortes de choses. Je ne suis pas batteur, je ne le serai jamais, mais je suis là à chercher et me dire « ça sonne plutôt bien comme ça » ou « ça ne sonne pas comme je veux ». Avec les instruments acoustiques, on est évidemment dépendant de l'environnement de la pièce. Il faut donc essayer plusieurs espaces différents. Les pièces vides sont plutôt super pour la batterie. Pour ce type de configuration, c'est certainement ce qu'il faut avoir. Jetez un œil au bouquin qui traite de l'enregistrement dans les années 60 comme « Recording the Beatles ». Ce sont de véritables bibles que vous aurez là. Vous verrez que la batterie est captée par un seul micro placé au-dessus et au milieu du kit. J'ai même une image d'une session d'enregistrement d'Elvis Presley datant de la fin des années 50 dans un très grand et très beau studio. Ils avaient un micro à ruban orienté directement sur la batterie et on ne peut pas vraiment savoir s'il y en avait un autre caché dans la grosse caisse. Voilà, c'est étonnant car le son de ces enregistrements est tout juste magnifique. Rolling. Mm-hmm.